RMC, l'immanquable grande gueule. Moi, je viens d'un temps où on pensait sur l'école. Il y avait une réflexion sur l'école. Alors, on peut en penser ce que l'on veut, hein, réflexion de gauche, réflexion progressiste, mais on pensait. Aujourd'hui, la gauche elle-même ne pense plus sur l'école. Il n'y a pas que sur l'école. Voilà. Et pas que sur l'école. Et la deuxième chose, c'est que cette école taboue, elle protège un totem. Voilà, je reviens sur mon dada, qui est le bac. Tant qu'on n'aura pas supprimé le bac, on ne pourra pas changer d'école. Là, on le réduit. C'est le premier frein à la réalisation professionnelle. Vous avez vu, on veut le réduire et ça fait déjà... Le bac, c'est l'anti-savoir par excellence. Ah oui. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est un gavage, c'est tout. C'est un recrachage de connaissances, c'est un exercice de mémoire. Et je suis très inquiet. Moi, je suis pour le contrôle continu. Moi, je suis pour un contrôle continu intégral. Intégral, 100% plus de bac. Voilà, plus de bac. Parce que là, ce que sert monsieur Blanquer, c'est très subtil. Parce que j'ai vu, il réintroduit des sessions, trois sessions, des mini-sessions. C'est du bac avant la lettre. C'est pas ça le contrôle continu. Il dit un travail continu. L'expression est bonne, il faut un travail continu. Mais ça passe pas, effectivement, par ces mini-épreuves, on retombe dans un bachotage. Ça continue, ça... Vous avez raison par rapport au bac, c'est le sujet sur lequel je voulais vous interroger. L'immanquable grande gueule.